Le débat est récurrent depuis plusieurs années maintenant, malheureusement, entre le voile islamique à l'école, les signes religieux apparents, pourquoi pas non plus le retour de l'uniforme dans les écoles. En tout cas, ce qu'exigent de plus en plus de directeurs d'établissements, c'est une tenue correcte à l'entrée. Pas de casquette de travers ou de nombril à l'air. Reportage dans un collège du 12e arrondissement de Paris. Nabila Tabouri, Jean-François Monnier. Jouer au top modèle, Lisa et sa copine Célia adorent. Nouveau pantalon, dernier t-shirt à la mode. 80€ par mois, c'est tout l'argent de poche qui passe en vêtements. Mais quand il s'agit du collège, nos deux Lolita très sages ne se permettent pas tout. Je peux pas mettre cette tenue au collège parce que premièrement, on voit mon bras ici, je préfère les manches simples, normales. Il y a un décolleté. Le pantalon, je peux pas le mettre non plus parce qu'on voit mon nombril comme ça, là, voilà. Je trouve qu'il y a un peu beaucoup de paillettes. Et la couleur, elle est un peu... ça fait un peu Barbie, je trouve. Et il est taille basse aussi, montre ? Oui, il est taille basse. Ah oui, ça, là. Cette sagesse vestimentaire, Lisa la doit aussi à sa maman. Moi, je fais attention à ses tenues, oui. C'est-à-dire ? Mais je surveille ce qu'elle met. Tous les matins à l'entrée du collège, le principal veille. Depuis 15 jours, tenue correcte exigée. Par exemple, on n'aime pas trop les casquettes. Voilà. Bonjour. Les adultes font la chasse aux strings et caleçons qui dépassent depuis qu'ils ont remarqué quelques abus. On estime que dans une communauté scolaire, on ne doit pas être comme à la plage ou comme en vêtements de détente, etc. Donc la tenue doit être décente. La direction du collège rappelle aux élèves et aux familles qu'une tenue décente est exigée à l'intérieur de l'établissement. Et l'interdiction est même officielle, une note dans le carnet de correspondance signée par tous les parents. Dans le collège, la mesure n'a pas fait de vague, mais les avis sont très partagés. Je trouve qu'ils abusent un peu quand même, parce que moi je trouve pas qu'il y en ait qui s'habillent vraiment vulgairement. C'est normal, on n'a pas montré notre caleçon, ni notre string. Enfin, si on veut montrer notre caleçon, on n'a qu'à venir en caleçon. Sous un long t-shirt ou caché par un gilet, le caleçon et le string se font désormais plus discrets. Avec l'hiver, on ne les verra plus. Un long répit pour la direction du collège avant le retour des beaux jours. Et puis une guéguerre qui pourrait faire école au lycée de Ribeauvillé. L'administration est partie en guerre contre le port du débardeur qui laisse le nombril à l'air et contre le string qui dépasse du pantalon taille basse. Et cela au grand dam des élèves qui bien sûr se rebellent. Reportage Stéphane Gaudry, Guillaume Gouet. Dans les rues touristiques de Ribeauvillé, la vie s'écoule paisiblement au rythme des randonneurs qui grimpent vers les monts d'Alsace. Pourtant, au pied des vignes, sur les hauteurs de la ville, la polémique agite le lycée Ribeaupierre. Objet de cette polémique, les quelques centimètres qui séparent parfois le haut d'un jean du bas d'un t-shirt. Armés du règlement intérieur qui exige des élèves une tenue correcte et décente, les professeurs entendent bannir de l'enceinte de l'établissement les nombrils et strings affichés au grand jour. Réaction mitigée des principales intéressées. On va s'y faire, mais bon, c'est quand même débile un peu. On est dans un cadre d'enseignement. Et c'est clair qu'il ne faut pas abuser, quoi. C'est pas pour choquer qu'on fait ça. Donc si on monte notre nombril, c'est juste parce qu'il faisait chaud et qu'on avait chaud. Et c'est tout, c'était pas pour montrer notre nombril. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui le voient. Bon, bien sûr, il y a toujours des élèves qui abusent et qui mettent des trucs choquants. Dans ce lycée où l'on avait déjà exclu il y a 3 ans deux élèves coupables de s'embrasser, on insiste sur la nécessité de fixer des limites et d'affirmer l'autorité des adultes. Mais si le proviseur s'enorgueillit du soutien de ses collègues de la région, au sein de l'équipe enseignante, certains jugent un peu déplacé l'obsession de décence qui embrase le lycée. Heureusement, le changement de saison devrait avoir raison des strings et nombrils. Pour l'instant, on met les gros pulls, les grosses vestes, mais en été, on verra bien.